Bonjour, alors voilà, ça fait un petit moment que je vis en fait avec mon vélo moteur et je l'adore, ça fait environ je crois 3 mois. Je suis juste fan, il est incroyable. Attends, je vois rien. En fait, je suis rentrée une fois de soirée et je me suis endormie dessus et c'est juste, j'arrivais plus à me relever en fait. Le lendemain, j'étais dessus, comme si on m'avait collé. Vraiment, je pouvais plus me relever. En fait, je le vis plutôt bien, franchement, mais il y a juste des fois, j'ai un peu soit des crampes qui m'arrivent aux jambes ou j'ai un petit peu mal aux genoux ou aux fesses aussi. Du coup, ce que je fais, j'ai des petits exercices. Donc soit je vais un peu en avant ou en arrière comme ça, ou après je commence un petit peu à sauter et ça travaille aussi les cuisses, c'est plutôt pas mal. Après, des fois j'ai un peu des courbatures. Du coup, je peux pas faire ça tous les jours non plus. Donc ça fait en fait que je suis vraiment énormément musclée. Donc quand je dis que je suis énormément musclée, c'est vraiment que j'ai un taux de graisse de 0% en fait. Je suis vraiment énormément musclée. Niveau nourriture, je mange plutôt sainement entre riz, pâtes, riz, encore une fois, je varie assez souvent. Les riz, je varie entre Caroline, riz basmati. Après, je connais pas trop les autres noms. Aussi, pour dormir, ben, c'est plutôt, plutôt je me repose en fait sur les bras pour bien me reposer la nuit et dormir. Je ferme les yeux. Ah, et au cas où? Si jamais il marche pas le vélo moteur, c'est parce que on m'a dit qu'il fallait mettre une sorte de liquide dedans. J'ai essayé avec de l'eau, avec un peu de sirop aussi, mais j'arrivais pas. Enfin, en fait, ça démarre pas. Je comprends pas comment ça marche. À des moments, j'avais vraiment soif. Je faisais un petit tour dans la campagne et j'ai eu un petit problème parce que donc j'avais pas de gourde sur moi ni dans mes poches. J'ai pas souvent un sac à dos. Du coup, je me suis dit bah pourquoi pas aller boire du sirop quoi, parce que j'avais fait un petit mélange. C'était la journée où j'avais tenté avec le sirop et c'était plutôt pas mal. Je vous le conseille. Vous voulez aussi? Pas d'eau de paille.